C'est compliqué à expliquer. Bon, je pense qu'ils ont été, au-dessus de nous. À partir du moment où on a encaissé le premier but, c'est vrai que le moral n'était pas optimal. Et après, on a baissé la tête et directement, ils ont enchaîné. Ils ont été ultra efficaces en première période. Et rentrer à la mi-temps à 3-0, après, c'est très, très compliqué de réagir. Je pense que voilà, c'est un match à oublier pour nous. Et il faut repartir de l'avant et utiliser la trêve qui arrive pour travailler. Et surtout les points négatifs qu'il y a aujourd'hui. Et aller de l'avant et plus penser à ce match-là, on le met déjà de côté. On va se servir de ce match-là quand même pour travailler certains points, mais on va l'oublier sur le contenu parce que c'était vraiment pas terrible aujourd'hui. À la limite, sur le plan technique ou dans les occasions et tout, c'est pas vraiment ça le plus gros problème. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout dans l'état d'esprit et dans la mentalité. Elle a pas été bonne quoi, du début à la fin, et c'est pour ça qu'ils ont été au-dessus de nous. Je parle même pas du jeu parce que ça, on savait comment ils jouaient, on savait leur qualité, donc on s'attendait à ça. Mais c'est surtout dans la réaction et puis dans nos têtes où je trouve qu'on n'a pas répondu présent comme on a pu répondre présent face à des équipes du même calibre comme Nice et Rennes avant eux. Donc c'est surtout ça qui m'a dérangé personnellement et je pense qu'il a dérangé tout le monde aujourd'hui. Non, je pense pas qu'on a lâché, on est quand même des compétiteurs, on lâche jamais un match, c'est pas possible. Mais je pense qu'on n'a pas eu le même état d'esprit que dans les matchs précédents, tout simplement. Pas au même niveau en tout cas.